moi Margot. Moi Margot, petite fille de 11 ans. En 6e, plutôt bonne élève. Famille fusionnelle. Papa, bonne situation. Papa et maman s'aiment plus que tout. Bref, famille parfaite, quoi. À mes 13 ans, là où tout bascule, je suis en 4e. Maman, papa divorcent. Papa boit, rentre tard le soir. Il avoue à maman qu'il en aime une autre, plus belle qu'elle et mieux qu'elle. Qu'il l'aime plus que maman. Qu'il l'a rencontrée au bistrot. Maman est malheureuse. Maman pleure. Mes résultats scolaires sont inquiétants. Papy meurt de son cancer depuis 3 ans. Maman est dépressive. Moi, je suis mal. Je ne sais que faire à part entendre. En milieu d'année, je rencontre Sylvain, un beau gosse qui sort avec moi et me largue au bout d'une semaine. Maman s'empire. La meuf que papa aime, je la déteste. Une fille brune, talons de 10 cm, robe sexy, celle qui se chope tous les mecs. Un matin, en me levant, je découvre maman en terre. Le sang coulait jusqu'au couloir. J'appela les pompiers. Elle était morte. Elle s'était suicidée. Elle m'avait quittée. Elle m'avait laissée là tout seule, dans le noir. Je suis horriblement mal depuis ce jour. Un soir, en rentrant des cours, je mis fin à ma vie. Je rejoignais ma maman qui me manquait tant. Papa aura tout détruit.